sont tous bêtes. Ben le pêche, j'espère que vous allez bien, dans Chante Zeta, je démarre ce petit vlog gotch. On est ici à Cassis, mon vieux. T'as déjà que t'es de bonne humeur, mon vieux. Si tu l'es pas, on va faire en sorte que tu le sois. C'est partage. Ma daronne, c'est du père. Ça veut dire que là, je viens de me lever, il est midi. J'ai mis mon portefeuille sur le toit de la voiture. Elle me dit, donne-moi l'adresse, vite, vite, vite. Je dis, ok, ok, tout ça. Je me rappelle plus de l'adresse, je raccroche. J'envoie tout ça. Elle me dit, super, merci, à tout à l'heure. Je la rappelle 5 minutes après, elle me dit, on est perdu, mais tu peux venir nous chercher, s'il te plaît. Eh, la côte, elle est rude, hein. T'as croisé un coup d'heure sur l'autoroute. Aïe, 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 mais tâche de ça au péage, mon vieux. Casse, ah, mais des coups de bleu. Bro, tes mains commencent à s'incliner. Mon frein à main, il est tendu. Comme ça, il a la gorge nouée. Aïe, aïe, aïe. Je viens de penser à quelque chose, là. Le démarrage en côte. C'est plus de la côte, là. C'est de la montagne. J'ai pas appris à faire démarrage en montagne, moi. C'est, on s'est mis la pression pour rien. Ouah, ma daronne à l'appel. Elle va me mettre la pression aussi. Elle a raccroché parce qu'elle sait que je suis en route. Ouais, là, on va chercher la madré. J'ai mis mon portefeuille sur le toit de la boîte. Fait 1 km on roule, je viens seulement de faire tomber mon portefeuille. Mais heureusement je l'ai entendu, on n'a pas mis la musique fort. Qu'est-ce qui se passe d'actualité? Je viens de faire mon petit deuxième match avec Dofla et Nemo. On s'est fait latter la tronche, donc ça va aller se baigner pour se réconforter un petit peu. Vas-y Yann, on y va mon gars, t'as pris les clés là? Ouais. Tu nous emmènes où là Yanis? À la Playa del Praia, toi tu connais, toi t'es déjà venu. Ma vie elle était nulle de ouf, ma vie elle est nulle hein. Les WS tout ça, je me suis engagé j'avoue avec Dofla etc. Mais ma vie comment elle est rintée de fou. J'ai tapé 800 bornes vieux pour jouer à Dofus frère. Je suis pas en train de rêver, on voit la mer, elle est là-bas. On va tenter de vous montrer un petit peu le design qui se trouve à Cassis. Pomme Cassis, framboise. J'essaie, je voulais la faire la blague, je l'ai pas encore faite. Elle est désormais faite. Là on descend, fait que descendre, c'est cool. Mais pour rentrer à la maison, ça va pas être la même histoire hein. Ah, je sais, ça commence. Ah, ça commence là. Bonne chance, monsieur. Jusqu'à Cassis. Hein. Ah, non, Cassis, monsieur. De toute façon, Cassis, vous savez, c'est un dodan. Bah, c'est pareil là. Ah là là, les gens, ils sont heureux. Il y a le soleil, ça fait plécoute, ça, putain. Il y a une plage pour 200 personnes, on est 1000 dessus frère. Il y a la serviette de Jean-Paul sur la serviette de Jean-Luc. Mais en vrai je peux pas trop me plaindre tu vois. Je peux pas trop me plaindre de la côte parce que les locataires genre ils nous avaient mis au doux parfum de la difficulté tu vois. Ça mérite un petit peu des claques dans Manix là. Si l'un d'entre vous n'aime pas le sirop, qu'il se prononce dans les commentaires. Insolent va. Parachute sur vie le sirop. Il y a une fâcheuse habitude de quelqu'un ici de laisser le petit micro-ondes open. Hein. On va commencer à payer des factures comme ça. C'est pas moi qui va mettre le coup de carte bleue. Hein. Tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre de sirop plutôt? C'est tonton qui offre. Les moustiques du sud, ils sont pas là pour jouer à la belote. Hein. Ouais, mais t'as gratté un peu, non? Après, moi, je suis un peu bronzé. Donc peut-être qu'ils attaquent moins la peau qui est un peu plus sombre, tu vois. Là, pour l'instant, t'es un peu blanc lune. Plus le soir, tu vois. T'es un peu flashy, tu vois ce que je veux dire? Jour 4, 10h. Yanis est en train de roupiller. Moi je me dis je vais faire un petit déjeuner, pépé rouge. Je vais prendre le pot Nutella, un placard, tout ça, le pain, on va se faire des tartines. Résultat, pot explosé. Donc moi je vois ça, je le précipite par terre. Non, Nutella, tout ça. Coupure. Mais si je vais pas quand même prendre des grands coups de cuillère là-dedans et me tartiner mon pain. Attends, je vais pas le laisser partir comme ça à la poubelle, je te dis. Yanis le gosbo. La Marseille Zoo, mon vieux. Pour nos vieux pas. Au McDo. Bon, on va se baladouiller tout ça. Je connais pas bien. On va regarder un petit peu sur internet ce qu'il y a visité par... ces contrées marseillaises, le petit H&M du coin, tout ça, quand t'es vers chez Watt, tout ça. Et il y a le H&M de Marseille. C'est incroyable, ça blague zéro. On va regarder un petit peu comment ça se passe dedans. M'autorise à filmer carrément, si tu veux lécher les hommes, faut descendre. Lourd. Après les rumeurs, hein. Ils vendent des stuffs. Eau, tout ça, feu, air. Donc pour les Dofusiens, venir à Marseille, côté du grand H&M de fou là, vous stuffez normal.
On est en train de descendre une petite avenue, tout ça. Mais on est passé devant la Lacoste et aïe 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 aïe. Mon compte bancaire est à sec, donc on va pas faire des folies, tu vois. Elle est grave fâchée, mais pas parce qu'elle est dans les bouchons, parce qu'elle a plus de rétro, a plus pu voir la concu. Je sais pas, tous les magasins sont fermés. Je sais pas ce qui se passe ici. On a quitté Marseille. Mais dans Chant de Dodge, je viens de se réveiller. Parce que dans la nuit d'hier, il y a eu un orage. Ça veut dire que ça fait remonter les égouts. Ça veut dire que ça a mis plein la mer, donc elle est polluée. Et le coude sur le poulet, c'est quoi? Je commence à fermer la fenêtre de mon ref à droite, côté passager. Elle monte à la moitié, elle monte plus. Premier garagiste fermé. C'est laquelle, la rue du garagiste? C'est la rue qui est bouchée à 10h du matin. Bon, on a trouvé. C'est partoche. Allez hop là, j'ai le seum de ouf. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de votre voiture. Sur la tête de mon appareil dentaire, j'en peux up là. Faut réparer la fenêtre là, putain. Bien le peuple, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée qui démarre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au Calanque, mon vieux. Avec mes petits A15 là que j'ai ici. Une petite bagarre ici là, juste là, au niveau de cette route. Ça a traversé comme ça. Là, il y a une bagnole, elle arrive à fond comme à fond la caisse. Et genre, ma daronne et moi, mon petit ref, on traversait comme ça. Et le mec, il arrive à fond la caisse, il a pilé comme ça devant ma daronne. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ma mère, elle a levé la main comme ça, elle a dit attention monsieur. Le mec, il a commencé à dire mais qu'est-ce qu'elle a, celle là, tout ça, nan, nan. Il commence à s'exciter. Je dis toi qu'est-ce que t'as vieux? Du coup il était là tout ça. Voiture ici tout ça. Bon faut me pousser pour qu'on aille à la pomme de terre etc. Tu vois que ça parte en pêche, multifruits tout ça. Qu'est-ce que t'as toi la con de ta mère machin? Je sais pas quoi, il commence à m'insulter. Il est malade celui-là. Il commence à partir, il dit la con de ta mère. Chassé dans sa portière, la portière s'est enfoncée. Il est déjà dans sa voiture, il a fait le malin, il a insulté. Il est remonté dans sa voiture, il a réinsulté en repartant. Il redescend de sa voiture, il vient, il braille des gens, il s'accumule autour. Il crache dessus, il loupe. Ça me vénère, je monte sur lui, patate dans le torse, low kick dans les cuisses, tout ça. Après, il commence à cavaler. Il remonte la rue là derrière, ça le course, tout ça. Je fais une claquette en passage, tac, je dérape, je m'arrache le doigt de pied. Et après, on s'est dit, bon, vas-y, on rentre. Donc, ça, c'est les trottoirs, ça. Ça, c'est le trottoir pour un humain, ça. Ça, c'est normal. Ça commence à me siffloter l'ananas, moi, je te le dis. Hein. Là, ce que vous venez de voir, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc, c'est au-dessus des moyens d'un mètre de Chantzetoche. Mais t'inquiète, vieux, on va quitter les HLM. Ici, c'est du tout-terrain. Et à 10-5, une performance. Wesh, wesh. Aucune eau ne rentre dans les claquettes. Juste toute la marée. On est en quête d'eau, parce que là on commence à s'épuiser là, ça monte, ça descend, ça caillasse, les trucs tout terrain commencent à perdre de la qualité. Et descendre ces cailloux en claque-out, c'est un risque qu'on est en train de prendre. Hein. Mais vivre c'est aussi savoir prendre des risques. Victoire. Est-ce que t'as déjà vu le petit train? Ouais, t'as déjà eu le petit train d'eau ou pas? Non, moi non plus, c'est la première fois. Regarde ça. Le petit train. Alerte, alerte, alerte. Une tongue a été retrouvée en 375 nord-sud. Elle est actuellement en train de se noyer. Sauvez-la, faites quelque chose. Sauvez-la, sauvez-la, elle se noie. Sauvez-la, sauvez-la. Sauvez-la, vas-y. Pour les officiers de l'extrême. Qu'est-ce que c'est sur sa tête à gauche? En train de monter, on en peut plus, vieux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des voitures garées, tout ça. On voit, genre, il y a des petites techniques utilisées. Des petits cailloux, genre. Qu'est-ce que tu vois sur le pare-brise? Tu vois que ça se fait verbaliser au calme. Tu cuis. C'est exceptionnel. Allez Lyon! Ouais. Ça va ou quoi? Dernier jour pour mes agents de Z-Dosh, Yannis, c'est la petite mif, tout ça, Pépère, Cassis. C'est la dernière fois de cette année que vous allez nous voir. C'est un sujet sur lequel nous allons pas nous attarder, nous allons foncer vers des petits sauts, tout ça. Après je suis pas un mec qui a peur, mais vas-y on va essayer de porter ses coudes au max, hein. On va essayer de tenter des choses. Donc, première marche ici, deuxième là, et l'eau. Va pas falloir glisser parce qu'on est en pieds nus. Tu veux commencer Yann ou je commence? Déjà on va se mouiller la nuque hein, parce que l'hydrocution, faire attention. Pas tes os dans l'eau. Action. Faut pas que tu réfléchisses Yannick. Tout tous bien. T'as senti que tu es pouce bleu. Excellent. Excellent. Excellent ou pas?
Franchement bonne ambiance. C'était excellent. On a kiffé. Je sais pas vous avez kiffé comme on a kiffé. Bon après vous c'est derrière l'écran tu vois. On essaie de vous transmettre un peu les sensations. Hop là, on a bien profité. C'est la fin des haricots. On a plus profité que filmé. J'espère que ce petit vlog coach il vous aura plu de fou. De toute façon je vais bien le voir sur les pouces bleus. Hein. Si vous lui avez mis son coup à cet enfoiré de Sosa. En tout cas prenez soin de vous, c'était Médoche. On s'attrape dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire où vous êtes parti en vacances. A bientôt.